Matryoshka de Sandra Nelson et Sébastien Pelon. Au nord-est de Moscou, dans la forêt de Semenov, vivaient Ivan et Natacha, modestes Mouchkine et leurs 5 filles. Aussi belles que douces, elles s'entendaient à merveille et ne se quittaient jamais. D'une ressemblance saisissante, seules leurs tailles successives les distinguaient. Chaque fille possédait un don particulier. Katerina, l'aînée, cuisinait des plats délicieux. Anna, la seconde, avait une voix enchanteresse. Marina, la troisième, cousait et brodait à la perfection. Tatiana, la quatrième, lisait dans les pensées. Quant à la cinquième, Vera, elle était une championne d'échecs. Un jour, Ivan et Natacha leur annoncèrent une bien triste nouvelle. « Mes chers enfants, la récolte a été détruite par la grêle. Nous n'avons plus rien à manger. Plus un bout de lard, plus un bol de soupe, plus un bout de pain. » Katerina doit aller travailler chez Baba Yaga. Les filles poussèrent ensemble un cri d'effroi. « Non !» Et elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Baba Yaga était l'horrible sorcière qui habitait de l'autre côté de la rivière, dans une petite isba montée sur 4 pattes de poule. Cette ogresse aimait par-dessus tout dévorer les petites filles pour son dîner. Natacha rassura Katerina tant bien que mal. « Ne crains rien, ma fille. J'ai fabriqué une poupée qui a ton visage, trait pour trait. Tant qu'elle sera avec toi, elle te défendra. Petite poupée, mon enfant, tu dois protéger. » chantonna Natacha avant de la poser sur la cheminée. Les 4 sœurs protestèrent, mais la courageuse Katerina se résigna. « J'irai demain chez Baba Yaga. » Les sœurs passèrent leur nuit à pleurer, se consoler, puis pleurer à nouveau. Elles n'avaient jamais été séparées et ne pouvaient imaginer d'abandonner leur aînée. L'aube approchait et Vera, la plus jeune, eut une idée. « Si tu dois aller chez Baba Gaïa, nous venons avec toi. Nous pourrons t'aider si elle veut te manger comme un poulet. Cachons-nous sous ta robe. » Et Vera se cacha sous Tatiana, qui se cacha sous Marina, qui se cacha sous Anna, qui se cacha sous Katerina. Katerina et ses 4 sœurs, ainsi invisibles, arrivèrent près de l'isba de Baba Yaga. La sorcière était encore plus effrayante qu'ils ne l'avaient imaginée. Elle avait des dents pointues, le nez crochu et une voix aiguë. « Ah, te voilà, dit l'ogresse, j'ai du travail pour toi. Nettoie mon isba et prépare-moi un bon repas. Je serai de retour avant la nuit tombée. Par le froid et par la pluie, par le grand vent de minuit, si tout n'est pas rangé, oui, je te mangerai. » Tremblant de peur, les sœurs se dépêchèrent de balayer, nettoyer, ranger, tandis que Katerina préparait sa spécialité, un borsch avec de la betterave, de la viande et du chou, puis un vatrouchka au fromage blanc, truffée de raisins secs. Baba Yaga rentra plus tôt que prévu car elle avait très envie de croquer la petite fille. Mais quand elle découvrit que tout était rangé et que son repas était prêt, elle se contenta de dire « Ce repas est délicieux, je n'ai plus faim, je te mangerai demain. » En entendant ces mots, les sœurs firent « en cœur. Mais Baba Yaga, qui avait dévoré tout son plat, dormait et ronflait déjà. Le lendemain, Baba Yaga ordonna à Katerina de lui confectionner un manteau couleur de la mer. « Je veux des broderies avec toutes les teintes du bleu clair au plus foncé. Si tu en oublies une, gare à toi. Et dépêche-toi, tout doit être prêt avant la nuit, par le froid et par la pluie, par le grand vent de minuit. Si tout n'est pas bien brodé, oui, je te mangerai. » Tandis que les sœurs balayaient, nettoyaient et rangeaient, Marina se mit à l'ouvrage. Cette fois, convaincue que la fillette n'aurait pu achever son travail, Baba Yaga se lécha les babines. Mais quand elle entra, elle découvrit un manteau scintillant aux multiples reflets bleutés. « Je n'ai jamais vu de si belle broderie, » dit Baba Yaga, très embêtée de ne pouvoir faire rôtir la petite fille. «
je te dégusterai demain, quoi qu'il arrive. » Et furieuse, la sorcière alla se coucher. Pendant ce temps, Natacha avait découvert la disparition de ses autres filles. Confectionna 4 autres poupées qu'elle plaça à côté de celle de Katerina. « petite poupée, mes enfants vous devez protéger », chantonna-t-elle une nouvelle fois. Le lendemain, Katerina prépara les plats les plus merveilleux avec l'espoir que Baba Yaga changerait d'avis. Mais la sorcière, bien décidée à manger la petite fille, après avoir tout avalé, lui dit ceci. Viens ici. Soudain, une douce voix sortit du fond de Katerina et se mit à fredonner une très belle chanson. Tourne la grande ours, tourne la petite ours, il n'y a pas de nuit sans matin, le soleil reviendra demain. Anna chanta si bien que même Baba Yaga fut émue. Elle pleura si fort que Lisba se mit à trembler et à tourner sur elle-même. C'est alors que Tatiana lut dans les pensées de Baba Yaga. Quand j'étais tsarine, j'ai été bannie, car je n'ai pas pu donner la vie. Un sort m'a changée en sorcière et condamnée à la vie infinie. Le maléfice disparaîtra quand un enfant, aux échecs, me vaincra. Mais nul enfant n'est plus malin que moi, et ce jour-là n'arrivera pas. Tatiana répéta mot pour mot ce qu'elle avait lu dans les pensées de la sorcière. Et la rusée Vera proposa à Baba Yaga une partie d'échecs. « Si tu me bats, tu me manges. Si je te bats, tu me donnes ta fortune. »« Ma fortune ?» répéta Baba Yaga en ricanant. « C'est impossible. Je vais te battre immédiatement. Ce ne sera pas amusant. Mais si c'est ta dernière volonté avant d'être avalée, tu peux préparer l'échiquier. » Baba Yaga, qui avait une très mauvaise vue, ne réalisa pas qu'une troisième main sortait de la robe de Katerina. Vera se concentra tant et si bien qu'elle battit la sorcière. La tsarine fut alors libérée de son sortilège et redevint une belle jeune femme. Elle donna aussitôt sa fortune aux 5 sœurs qui rentrèrent chez elle, saines et sauves, à la grande joie de leurs parents. En souvenir, Natacha offrit ses poupées à la tsarine. « Confie-leur ton vœu le plus cher et tu seras exaucée. » La tsarine, qui en retrouvant sa beauté avait perdu sa richesse, se maria avec un jeune paysan. Et son rêve le plus précieux se réalisa. Ils eurent une fille, Matryona. Ses parents la surnommèrent affectueusement Matryoshka. L'enfant avait pour seul jouet les poupées gigognes dont elle ne se séparait jamais. Devenue adulte, elle se mit à en fabriquer, puis leur donna son nom. Et depuis, les poupées Matryoshka symbolisent la fertilité et sont aimées des enfants du monde entier. Fin.